dans cette organisation dans laquelle nous nous activons, cette organisation qui fait que nous tous, nous voyons que l'Afrique est une et inséparable. L'Afrique est une et inséparable. Monsieur Guédéon en est l'exemple. Il se trouve de l'autre côté dans le froid. Nous, on est ici au Sénégal, d'autres sont au Cameroun, Dr. Bédir est aux États-Unis avec maman Martienne. Et je peux dire tout le monde, Onaka est au Canada, etc., etc. Mon petit frère à qui j'ai souhaité la bienvenue est aux Pays-Bas. Vous voyez, mais on est tous unis ici parce que nous avons tous le même objectif. Bien sûr, nous voulons la liberté financière, l'indépendance financière, mais ce n'est pas seulement pour rouler, comme le dit Dr. Bénin, avec des Lamborghini ou des Ferrari. C'est surtout pour changer le visage de l'Afrique. Et voilà quelqu'un qui se consacre à ça, corps et âme. Écoutez-le, notez bien vos questions et tout à l'heure, il va éclairer votre lanterne. Vous ne regretterez pas cette soirée. Vous allez remercier, vous n'allez jamais finir de remercier la personne qui vous a invité. Joseph Tala, bonsoir. Waouh. Bonsoir, Oawa. Bonsoir à tous les leaders qui sont sur cette plateforme. Et bonsoir particulier à toutes les personnes qui ont investi de leur temps pour venir ce soir sur ce podium, j'allais dire sur cette réunion Zoom, écouter ce que nous avons à leur dire. Comme la modératrice l'a dit, je m'appelle Joseph Tala et l'honneur me choisit ce soir de vous présenter cette opportunité, une opportunité exceptionnelle, une opportunité sans nul autre pareil, une opportunité sans nul autre précédent, une opportunité, je peux dire, extraordinaire. Et les qualificatifs que j'utilise ne sont pas vains, vous n'allez pas tarder à comprendre. En général, lors de nos présentations, et pour ceux qui nous écoutent de façon régulière, la présentation de ce soir est un tout petit peu atypique. Parce qu'au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que la fièvre du lancement d'un passif monte, alors il y a des sentiments qui se mêlent, en même temps l'émotion, en même temps l'excitation, mais en même temps le chagrin. Pourquoi le chagrin? Le chagrin pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore saisi l'opportunité. Ce soir, les articulations sont les présentes, sont les suivantes, autant pour moi. Nous allons faire une espèce de présentation d'une problématique générale. Ensuite, nous allons parler d'une solution générique. Et enfin, nous allons proposer une solution spécifique qui est le cas de Fonds Passifs qui nous réunit donc ce soir. Alors, lorsque nous regardons le contexte socio-économique du monde actuellement, il est marqué par la misère, il est marqué par un écart très important entre les riches et les pauvres, il est marqué par des personnes qui souffrent, il est marqué par des maladies. D'un côté, on a des gens qui sont très, très riches, qui n'ont, je peux même dire, qui ont de l'argent au point de ne pas savoir qu'en faire. Et de l'autre côté, on a près de 800 millions de personnes qui vont se coucher tous les soirs sans avoir mangé. Et ça, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller d'autant plus que si nous sommes, parce que si vous permettez que je cite un auteur, Aimé Césaire l'a dit, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Donc ce soir, j'aimerais donner une espèce de cri de cœur et j'espère que ce cri de cœur qui s'arrime avec le cri du PDG de Fonds Passifs, cette opportunité de ce soir, que ce cri de cœur puisse trouver un écho en votre cœur et qu'ensemble, nous puissions apporter un changement dans le monde. Alors, la solution générique en général à tous les problèmes du monde, c'est qu'on se rend compte que les riches, chaque jour, s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent davantage. On a encore à l'idée des images des personnes, des images des jeunes qui ont voulu traverser la Méditerranée avec des embarcations de fortune et qui se retrouvent, n'est-ce pas, à se noyer dans l'eau. On a encore à l'image de la famine, on a encore à l'image des centres hospitaliers dans des pays du tiers-monde, dans des pays qui n'ont même pas de seringues, qui n'ont même pas. On a encore à l'idée des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas accès aux soins de santé. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow, Abraham Maslow, c'est un très, très brillant psychologue qui a estimé que les besoins de l'homme sont stratifiés en pratiquement 5. Il a parlé des besoins physiologiques, c'est-à-dire le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir,
le besoin de voir. Après, il y a les besoins de sécurité, histoire de se sentir en sécurité, histoire d'avoir un toit où dormir. Après, on a des besoins d'appartenance. Et lorsqu'on parle des besoins d'appartenance, on voudrait avoir la sensation d'être aimé, d'être écouté, d'être compris par les gens autour de nous. Après, on a un peu plus haut, troisième étage, on a les besoins d'estime, le sentiment d'être utile à la société, le sentiment d'avoir une certaine valeur, le sentiment d'avoir une certaine identité. Et au haut, au sommet de la pyramide, on a des besoins d'accomplissement, sentir qu'on a été utile à la société, sentir qu'au crépuscule de sa vie, lorsqu'on viendra à nos obsèques, lorsqu'on fera une oraison funèbre, qui est des centaines, j'allais dire, de personnes dont les vies ont été impactées par notre passage sur Terre. Et lorsque nous regardons justement les besoins de la pyramide des besoins de Maslow, nous nous rendons compte que la grande base, c'est des personnes qui n'arrivent même pas à assouvir des besoins physiologiques. Et c'est dans cette catégorie que se trouvent les 800 millions dont j'ai parlé tout à l'heure. 800 millions de personnes, chaque jour dans le monde, vont se coucher sans avoir de quoi manger. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, je ne veux pas rentrer dans un problème de géopolitique mondiale, de politique des pays, mais nous avons des politiciens qui font de leur mieux pour apporter une solution à ces situations, mais est-ce qu'ils le font vraiment de leur cœur ou alors? Parce qu'on a des personnes, on se retrouve lorsqu'il y a des campagnes, par exemple des campagnes, on a des gens qui promettent monts et merveilles, mais après on se rend compte qu'il y a qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours une espèce d'écart. Mesdames et messieurs, une chose, c'est de poser un diagnostic et une autre chose, c'est d'apporter un traitement. Ce soir, nous allons vous présenter une opportunité qui, si nous la comprenons et si nous la saisissons, nous allons non seulement impacter notre vie à nous-mêmes, mais nous allons également impacter les vies des personnes autour de nous. Parce qu'une chose est claire, c'est que nous sommes arrivés dans ce monde, nous avons trouvé dans ce monde, dans un certain état, nous avons le devoir de préserver ce monde, mais nous avons surtout le devoir de le laisser mieux que nous l'avons trouvé. Maintenant, ma question à vous avant de continuer, ce que vous menez comme activité actuellement, est-ce que ça vous permet d'impacter des vies autour de vous? Est-ce que ce que vous menez comme activité actuellement vous permet de pouvoir créer un impact général au point où, si vous imaginez un peu, on ne le souhaite pas, si vous imaginez un peu, si vous pouvez faire une espèce d'aperçu de ce qui sera dit après votre vie sur Terre, est-ce qu'il y a des gens qui pourront écraser une lame en disant « cette personne a impacté ma vie ». Combien de personnes? Parce qu'en fait, ce qui compte à la fin de la vie d'un homme, je vais citer M. Max Stevens, ce qui compte à la fin de la vie d'un homme, ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas l'argent du compte bancaire, ce n'est pas les grandes maisons qu'il a laissées, mais ce qui importe véritablement, c'est combien de vies est-ce qu'il a impacté. Ce soir, mesdames et messieurs, une opportunité est à notre disposition et cette opportunité s'appelle On Passive. Nous allons parler de On Passive. Qu'est-ce que c'est On Passive? Qui est derrière On Passive? Qu'est-ce que On Passive nous propose véritablement? Et comment est-ce que nous pouvons saisir cette opportunité On Passive pour impacter le monde, pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres, pour créer un changement dans notre environnement? Comment est-ce que nous pouvons utiliser l'opportunité On Passive pour, à défaut de renverser la pyramide des besoins de Maslow, faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui quittent l'étage 1 des besoins psychologiques, au moins pour l'étage 2 ou l'étage 3 ou l'étage 4. Mais avant de le faire, nous devons nous-mêmes être rassurés que nous ne sommes pas à l'étage 1, mais nous devons nous rassurer que nous sommes à un étage un peu plus élevé, parce que nous ne pouvons pas être en arrière, au bas de l'échelle, et pousser les gens vers le haut. Il faut que nous soyons à un niveau, à un certain niveau de cette échelle, pour être capable de tirer les gens vers le haut. C'est quoi On Passive? On Passive, c'est une grande compagnie américaine qui est basée à Orlando. Orlando, c'est dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique. Et le PDG s'appelle tout simplement Monsieur H. Moufaré. H. Moufaré, pour dire un petit mot sur lui, c'est un Américain d'origine palestinienne qui a immigré aux États-Unis avec ses parents alors qu'il n'avait que l'âge de 4 ans. Et c'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui a un master en information technology et en e-commerce. C'est quelqu'un qui est également allé à l'université Harvard University, cette prestigieuse université, pour apprendre comment créer les entreprises en ligne.
et il s'est spécialisé, entre autres, dans un domaine qu'on appelle le traffic driving. Le traffic driving, c'est quoi? C'est la capacité de drainer la visibilité sur un site Internet, la capacité de drainer les clients sur un business en ligne. Et cet homme, pour parler de sa vision, c'est quelqu'un qui a toujours été influencé pendant qu'il grandissait par une bonne sœur catholique appelée Mère Teresa. Mère Teresa avait le cœur pour aider l'humanité, mais malheureusement n'avait pas les moyens de sa politique. Alors, H. Mufare a dit, quand je regarde la misère dans le monde, évidemment, il est américain avec tout ce que ça peut comporter comme aisance, mais il dit, il n'arrive pas, quand il regarde la misère dans le monde, pendant qu'il pense qu'il est dans un habitat, dans une maison vraiment cossue, quand il pense qu'il y a des gens, même dans les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas de quoi manger, des gens dans les États-Unis, aux États-Unis d'Amérique qui n'ont pas un toit pour dormir, il dit ça l'amène à, ça le fait bouillonner. Et contrairement à certaines personnes qui se contentent de constater qu'il y a de la misère et dit bon, on va faire comment, lui, il dit quelque chose peut être fait, quelque chose doit être fait et quelque chose doit être fait par moi. C'est ainsi donc qu'il a réuni une équipe de techniciens, une équipe d'ingénieurs, 200 pour 200 en nombre, assistée de 800 techniciens. Et dans un immeuble de R+5 à Hyderabad, en Inde, ils ont décidé de développer des applications qui vont toucher tous les domaines, pratiquement tous les domaines de l'Internet. Et il va de soi que le monde est en train de devenir digital, le monde est en train de devenir numérique. Et lorsqu'on parle de la digitalisation, de la numérisation dans le monde, évidemment, lorsqu'on parle de nouvelles technologies ou alors des technologies qui apportent un changement brutal dans l'évolution de l'homme, il va de soi que c'est également des opportunités. Et une petite parenthèse que je vais refermer rapidement, c'est que le monde a connu trois grandes technologies. On parle de technologies disruptives, des technologies qui arrivent une seule fois, disais-je tantôt, changent carrément la façon de faire, la façon de penser, la façon d'agir. Et le monde prend un autre, le monde va à une autre étape. On a connu, par exemple, Internet. On a d'abord connu la technologie de l'informatique, ensuite Internet. Internet est venu, a fait en sorte que le monde devienne un village planétaire. On a connu une autre technologie disruptive qui est la blockchain, avec comme corollaire la création de la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et après, on a connu la technologie de l'intelligence artificielle. Et lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs, c'est là où va le monde. Nous n'avons pas idée de la quantité d'intelligence artificielle qui nous entoure. Le conseil que je peux vous donner, c'est faites vos propres recherches sur ce thème intelligence artificielle et vous allez comprendre. Je ferme la parenthèse par rapport à ces trois grandes technologies. H. Mufare a donc dit, nous allons pouvoir impacter le monde. Mais pour impacter le monde, il faut une espèce de cheval, il faut une espèce de véhicule pour impacter le monde. Et une étude statistique a fait état de ce que de toutes les personnes qui travaillent sur Internet, il y a 97% qui ne gagnent pas véritablement de l'argent. Il n'y a que 3% qui gagnent véritablement. Et permettez-moi de citer Zig Ziglar, un célèbre écrivain qui a dit, je cite, « Si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce dont elles ont besoin, alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Fin de citation. H. Mufare, aidé de ces statistiques qui fait état, disais-je tantôt, de 97% de personnes qui sont sur Internet mais ne gagnent pas de l'argent. Et une autre étude statistique, ou alors une autre statistique, qui fait état de ce qu'il y a près de 4 milliards 700 millions de personnes qui travaillent sur Internet. Alors, si nous prenons 97% de 4 milliards 700 millions d'habitants, de personnes, nous pouvons voir la grande frange de personnes qui se démènent sur Internet sans véritablement gagner de l'argent. Si nous prenons l'exemple de la rue vers l'or aux États-Unis dans les années 50, nous réalisons une étude à montrer que ceux qui ont véritablement gagné de l'argent, ceux qui sont fait des fortunes, ce n'est pas forcément ceux qui ont découvert l'or, ceux qui ont réussi à trouver un filon d'or, mais ceux qui ont trouvé les instruments adéquats pour permettre aux creuseurs d'or de pouvoir, n'est-ce pas, continuer le travail. Donc, H. Mufare, disais-je, avec son équipe, on dit, nous allons nous focaliser sur ces 97% de personnes qui n'ont pas de quoi, qui n'arrivent pas à gagner de l'argent. Nous allons leur fournir les outils, le matériel adéquat pour leur permettre de gagner de l'argent. Et bien entendu, lorsque ces personnes vont avoir de quoi elles ont besoin, tout ce dont nous avons besoin, nous aurons également. Et il dit, je ne suis pas intéressé pour être l'homme le plus riche du monde, parce que ça sert à quoi d'avoir des milliards stockés dans mon compte ici aux États-Unis,
lorsqu'il y a la misère partout dans le monde. Et en même temps, il dit, Mère Teresa, effectivement, n'avait pas la possibilité de m'impacter. Mais si je peux avoir la possibilité d'impacter le maximum, alors de créer des espèces de Mère Teresa partout dans le monde, notamment... Ok, voilà, des Mères Teresa, excusez-moi, j'ai fermé le micro. Des Mères Teresa un peu partout dans le monde. Alors, excusez-moi, j'ai fermé tout le micro. Voilà, excusez-moi, j'ai fermé tout le micro. Donc, il a dit, si je peux avoir des espèces de Mère Teresa dans tous les quatre coins du monde, un peu comme en télécommunication, il y a l'antenne émettrice mère et il y a des antennes de relais partout dans les différents coins. Il dit, si je peux avoir des espèces de Mère Teresa partout dans le monde, alors ça permettra d'être une extension de ma vision qui est de pouvoir impacter l'humanité. Et là, je vais un peu vite en besoin. L'opportunité de ce soir, mesdames et messieurs, c'est l'opportunité qui étale la vision justement de H. Mufare de pouvoir impacter le monde. Et la personne qui vous a invité ici ce soir voudrait que vous puissiez être une espèce d'antenne relais de la vision de H. Mufare et nous allons y revenir. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait avec cet émission? Ils ont donc développé des applications, ils ont développé des produits digitaux. Et avant de se poser, avant de développer ces produits digitaux, ils se sont posé la question de savoir ces personnes qui sont sur Internet, qu'est-ce qu'elles font exactement sur Internet? Quels sont les outils dont elles ont besoin? Quels sont les problèmes auxquels ces personnes sont confrontées? Parce qu'il faut déjà poser un bon diagnostic et avoir une bonne prophylaxie. C'est ainsi donc qu'il a vu que les gens sur Internet échangent des images, échangent des photos, échangent des informations dans ce qu'on appelle community, exemple Facebook, Instagram, WhatsApp. Il a dit, nous avons la maîtrise sur une technologie, sur le stade le plus avancé d'une technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et nous avons 200 puissants ingénieurs, maîtres, experts dans l'intelligence artificielle. Avec ces techniciens, nous avons la possibilité donc de développer des applications qui vont effectivement apporter une solution à l'humanité. L'immeuble qui se trouve derrière moi, mesdames et messieurs, c'est l'immeuble qui abrite la branche technique de On Passive. Cet immeuble se trouve à Hyderabad. Hyderabad, c'est en Inde. Et le siège social de On Passive, c'est aux États-Unis, à Orlando, dans l'État de Floride. Dans cet immeuble qui est derrière moi, mesdames et messieurs, nous avons donc 200 puissants ingénieurs experts en intelligence artificielle, assistés de 800 techniciens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 sur 7, pour développer dans ces applications qui vont apporter des solutions à toute personne qui travaille sur Internet. Donc, dans le registre des questions, à savoir qu'est-ce que les gens font sur Internet, les gens font également des recherches. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, il y en a certainement parmi vous qui sont allés sur Google pour taper On Passive, c'est quoi, Joseph Tala, c'est qui, H. Mufare, c'est qui. C'est normal. Vous venez de faire ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. Et Google vous a permis d'avoir des millions d'informations dont vous aviez besoin. H. Mufare dit, nous avons la maîtrise sur l'intelligence artificielle, nous pouvons également développer un Search Engine Optimization qui sera plus rapide, plus performant, plus puissant et moins cher que Google. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser le stade le plus évolué, le plus avancé de l'intelligence artificielle pour développer cela, ce qui n'est pas le cas pour Google. Qu'est-ce que les gens font encore sur Internet? À partir de leur téléphone portable, à partir de leur ordinateur, des gens se connectent sur Internet pour faire des opérations bancaires. Et cela n'est possible que parce qu'il y a des produits, qu'il y a des sociétés qui ont développé des produits pour sous-tendre cela. H. Mufare dit, nous également, grâce à la technologie, la technicité et à l'ingéniosité que nous avons avec notre personnel dans cette immeuble derrière moi, nous pouvons également développer une application qui va permettre de faire cela. Parlant également de la sécurité des données, on parle de VPN, Virtual Private Network. Et évidemment, lorsqu'on parle de VPN, c'est un tunnel qui sécurise les données d'un utilisateur A à un utilisateur B. Un exemple, quelqu'un qui travaille, un employé de banque, qui est obligé de faire du télétravail. Il est chez lui avec son ordinateur. Il doit être connecté à l'ordinateur central de la banque pour échanger des données. Et nous, vous convenez avec moi, très chers invités, mesdames et messieurs, qu'en l'absence d'une sécurité accrue, les hackers peuvent s'interférer et bonjour les dégâts. C'est ainsi donc qu'on parle de VPN. Et la vedette mondiale en termes de VPN, c'est la société Cisco Webex. H. Mufare dit, avec notre équipe, nous pouvons développer un VPN plus rapide, plus sécurisé, crypté de bout en bout, plus performant et moins cher que ce que propose Cisco Webex.
Nous savons également que le monde a connu l'une des crises, l'une des pires crises sanitaires de toute son histoire, à savoir l'épidémie du COVID-19. Et il en a résulté qu'il y a eu une toute nouvelle façon de faire les choses, des masques qu'on met à tout bout de champ. Et plus grave, il y a cette possibilité qu'on avait de faire des conférences internationales, des conseils ministériels. Aujourd'hui, avec le COVID, tout cela a été réduit et on parle plus de vidéoconférence. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies se passe aujourd'hui par vidéoconférence. On a des conseils ministériels dans des pays qui se passent par vidéoconférence. On a des cultes qui se passent par vidéoconférence, des écoles qui dispensent des cours par vidéoconférence, des réunions familiales. Bref, aujourd'hui, la vidéoconférence a pris un essor très, très sérieux. Et même ce soir, si de mon siège dans mon Douala natal, parce que je vous parle depuis Douala au Cameroun, et vous qui m'écoutez, on est près de 300 personnes, vous êtes dans tous les quatre coins du monde, nous sommes comme dans une même salle, c'est grâce à une application de vidéoconférence, notamment Zoom. Et pour dire un petit mot sur Zoom, un article du célèbre magazine Forbes, F-O-R-B-E-S, Forbes.com, dans son édition du 30 novembre 2020, a fait état de ce que la société Zoom est devenue plus riche que le consortium pétrolier américain ExxonMobil. Imaginons une grande société américaine qui s'appelait Exxon, une autre grande société américaine, pétrolière américaine, qui s'appelait Mobil, qui se sont associées pour être plus performantes. Et ces deux sociétés existent depuis plus d'une cinquantaine d'années et font dans le domaine prisé du pétrole depuis plus de 50 ans. Zoom, qui a à peine une dizaine d'années, est devenu plus riche que ce consortium pétrolier. Ça mérite réflexion. Zoom a un seul produit, un produit de vidéoconférence, un produit digital. Cela nous amène à comprendre que la digitalisation n'est pas un leurre. La digitalisation, c'est quelque chose avec laquelle il faut désormais compter. Dans ce même article, il a fait état de ce que la fortune du PDG de Zoom, à la personne de Eric Yuan, a triplé en moins de 2 mois. Ça nous fait donc réfléchir. Donc, H. Moufale et son équipe ont dit, nous allons également développer une application de vidéoconférence. Et je peux m'estimer vraiment heureux parce que j'ai eu la grâce, je suis l'une des rares personnes à avoir eu la grâce de voir, de suivre la démonstration de l'application de vidéoconférence sur un passif. Et évidemment, H. Moufale et son équipe ont développé plus de 50 applications. Vous avez très bien compris, plus de 50 applications. À la fin de cette présentation, nous irons sur l'écosystème de OnPassive, sur le site Internet, pour vous montrer en quelques minutes, n'est-ce pas, ces différents éléments. Donc, plus de 50 applications avec un seul objectif, Total Internet Solution, Total Business Solution. Ça veut dire que vous soyez une personne physique ou une personne morale, que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, que vous soyez une petite organisation, que vous soyez un gouvernement, que vous soyez, une ONG, tout, et que vous utilisez Internet pour votre activité, alors OnPassive s'engage à vous proposer, à vous produire une solution qui n'a pas d'égal. Et le PDG le dit fièrement, tous nos produits ont 5 ans d'avance sur la concurrence. Bien évidemment, lorsqu'on parle également de vidéoconférence, lorsqu'on parle de Zoom, Zoom a des failles, notamment lorsque la bande passante devient stable, on est éjecté, mais arrivé plusieurs fois lors des présentations d'être éjecté de la salle. Même lorsque vous en allez vous regarder, pour ceux qui sont co-administrateurs, il y a des gens qui entrent, sortent, vous pensez qu'ils sont en train de faire un balai. Non, ce n'est pas un balai. La connexion faiblit, ils sortent, ils sont éjectés, après ils reviennent. Zoom également a une capacité qui est limitée à, je crois, 200 000 personnes et Zoom ne coûte pas 10 francs. C'est ça qui nous permet de vous parler ce soir, nous coûte des centaines de dollars tous les mois. Imaginez donc H. Moufale, dans la cinquantaine de produits que son équipe lui a mis sur pied, les produits mis sur pied, il y a donc un produit qui fait dans la vidéoconférence. Et ce produit à lui seul, mesdames et messieurs, pour reprendre le terme de M. Thias Osson, lorsqu'on passe, il va lancer, we are going to know there is a new sheriff in town. Pourquoi? Parce que ce que Zoom a fait à Skype, alors O-Connect de OnPassive va lui faire pire. Pourquoi? Parce que l'application O-Connect de OnPassive qui fait dans la vidéoconférence a une capacité d'accueil qui est pratiquement illimitée. Et vous aurez dans quelques semaines l'occasion de découvrir parce que le lancement officiel de OnPassive va se passer dans les grandes chaînes de télévision dans le monde et également la possibilité de suivre ça par Zoom. Donc, des dizaines, voire des centaines de millions, voire des milliards de personnes
auront la possibilité de se connecter à notre plateforme pour suivre le lancement officiel de On Passive. Et également, notre plateforme est cryptée de bout en bout parce qu'utilisant l'intelligence artificielle de la Fondation jusqu'au toit, comme tous nos différents produits. Mesdames et messieurs, je ne veux pas m'attarder sur toute la cinquantaine de produits. Lorsque j'irai sur le site, je vais montrer très rapidement cela. Mais ce qu'il importe pour nous de comprendre ce soir, c'est que la personne qui vous a invité, vous qui êtes là pour la première fois, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris la vision de H. Moufaré et c'est quelqu'un qui a compris que H. Moufaré donne la possibilité aux personnes visionnaires de devenir membre fondateur de cette opportunité, de cette société. Donc, c'est une société de droit américain, je l'ai dit tantôt, qui est en phase de lancement, qui a connu trois phases, conception et peaufinement des produits. Nous sommes actuellement dans la phase où on est en train de rentrer dans le semi-launch, où les produits vont être lancés. Et après cette phase, on va se retrouver dans la phase de lancement officiel, où la société sera officiellement lancée au public. Mais déjà, imagine une société qui n'est pas encore officiellement lancée, mais qui depuis plus d'un an emploie déjà plus de 1000 salariés dans cet immeuble que j'ai derrière moi et également dans le siège qui est à Orlando aux États-Unis d'Amérique. Ça me donne une idée que On Passive, c'est un jeune loup aux dents très, 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 très long. Et bien entendu, l'opportunité qui sous-tend ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est que vous avez, n'est-ce pas, l'occasion unique et sans précédent d'être membre fondateur de cet opus mondial qui utilise l'intelligence artificielle pour développer des produits digitaux qui vont créer une espèce de tsunami dans tous les quatre coins du monde à son lancement. Mesdames et messieurs, je ne suis pas certain que je me suis assez fait bien comprendre. Imaginons, lorsqu'on parle des entreprises à grande capitalisation dans le monde, ils sont réunis dans ce qu'on appelle le GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Imaginez aujourd'hui combien les membres fondateurs de Google peuvent gagner. Et pour la petite histoire, Google a annoncé fièrement avoir fait 50 milliards de bénéfices en 2020. Imaginez combien, 50 milliards de dollars de bénéfices. Imaginez combien chaque membre fondateur de Google a eu rien qu'en 2020. Imaginez combien les membres fondateurs de Apple gagnent. Imaginez combien les membres fondateurs de Facebook gagnent. Imaginez combien les membres fondateurs de Amazon gagnent. Imaginez combien les membres fondateurs de Microsoft gagnent. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'être membre fondateur des GAFAM, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce soir, mesdames et messieurs. C'est que vous avez mieux que tous les GAFAM. Parce que lorsque nous regardons tous les produits des GAFAM, c'est à peine une trentaine de produits pour tous ces géants. Mais On Passive arrive et met plus de 50 produits en un seul package avec ce qu'on appelle le single sign-on. Pour nous donner une idée, pour que nous comprenions l'impact d'avoir en un seul package plusieurs choses, mesdames et messieurs, revenons quelques dizaines d'années, quelques décennies en arrière, lorsque l'informatique était en train de connaître son essor dans le monde entier. Une entreprise qui devait basculer à l'informatique devait acheter un logiciel, devait avoir un logiciel pour le traitement de tests, un logiciel pour les calculs, un logiciel pour le traitement des images, etc., etc. Voilà donc un homme qui a dit, nous allons pouvoir mettre en un seul package des solutions à toute personne qui travaille avec l'outil informatique. C'est ainsi donc qu'il, avec son ingéniosité et son équipe, ils ont mis sur pied un package qui permet en un seul point de se retrouver avec traitement de thèse, traitement des images, tout ce qu'on imagine. Et vous avez deviné, c'est le pack Microsoft Office. Et la personne qui a eu cette idée géniale n'est autre que Bill Gates. Et pour avoir apporté à des milliards de personnes la solution à leurs besoins, cela a fait de lui l'homme le plus riche du monde pendant plus d'une décennie. C'est ça, le pouvoir d'avoir en un seul package des solutions à plusieurs problèmes. Imaginez un peu le cas des supermarchés. Dans un quartier, s'il y a des boutiques qui vendent X, Y, Z, ainsi de suite, si vous voulez faire des emplettes pour la maison, au lieu d'aller dans la boutique A, ensuite d'entrer dans la boutique B, ainsi de suite, on perd en temps, on perd en argent. Imaginez donc, les supermarchés ont compris ce concept et ont mis en un seul toit tout ce dont on peut avoir besoin pour la maison. Quand vous entrez dans un supermarché, vous avez tout, vous achetez, vous sortez, c'est ça. Alors, l'histoire se répétant, en 2018, voilà un autre Américain toujours
H. Moufaré, qui a eu l'idée donc de mettre en un seul package toutes les solutions à ceux qui travaillent sur Internet. Et la particularité ici, c'est que quoi? C'est qu'il a utilisé en ce même package les trois grandes technologies qui ont émaillé, qui ont impacté l'humanité, dont j'ai parlé tantôt, la technologie Internet, l'informatique Internet, la technologie de la crypto-monnaie blockchain et la technologie de l'intelligence artificielle, je m'explique. Tous les produits dont passe utilise l'intelligence artificielle de la Fondation Jusqu'au Toit, nous allons les utiliser sur Internet. Et quand vous devenez membre fondateur, vous allez gagner de l'argent et vous avez la possibilité de retirer cet argent en crypto-monnaie. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est, comme on dit souvent, ça, c'est wonderful. Donc, si vous n'avez donc pas eu la possibilité d'être membre fondateur de GAFAM, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être membre fondateur de quelque chose qui est au-delà des GAFAM, mesdames et messieurs. Et quel que soit, je ne sais pas ce que vous menez comme activité, je ne sais pas quelles sont vos aspirations, je ne sais pas quels sont les rêves que vous avez caressés depuis l'enfance et à un certain moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous avez dû abandonner ces rêves. Je suis là pour vous dire ce soir, mesdames et messieurs, vous pouvez donc aller fouiller dans vos tiroirs, sortir ces rêves, les épousseter, les poser sur la table, parce que le seul fait de devenir membre fondateur de OnPassive, vous allez réaliser vos rêves, même les plus fous. Nous pesons très bien nos mots. Maintenant, comment est-ce que nous allons gagner de l'argent avec OnPassive? C'est important de comprendre. Autant nous savons que les produits digitaux sont un marché de plus de 750 milliards de dollars, nous pouvons imaginer que OnPassive, avec cette nouvelle technologie, avec l'intelligence artificielle dans ces produits, parce que c'est l'intelligence artificielle qui est au cœur de tous les produits d'OnPassive, de la Fondation Jusqu'au Toit. Avec tout cela, nous avons, et le PDG également, qui est un expert dans l'art de donner la visibilité. Lorsque nous devenons membres fondateurs, alors la société, nous devenons membres fondateurs d'OnPassive, il y a donc un site Internet qui est créé pour nous, et sur ce site Internet sont disposés tous les produits d'OnPassive, et parmi les produits d'OnPassive, il y a un produit de traffic driving qui va consister à, c'est une espèce d'aspirateur à clients, pour reprendre le terme de M. Didier Vital, qui va aspirer les clients. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des robots informatiques qui travaillent 24 sur 24, 7 sur 7 sur Internet pour prospecter, assurer le suivi, faire la relance, faire la clôture de la vente et mettre ces clients qui ont fait l'achat derrière vous. Quand vous vous réveillez, vous avez gagné de l'argent. Warren Buffett, un des hommes les plus riches des États-Unis, voire du monde, a dit, je cite, « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, alors vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. » Fin de citation. L'opportunité OnPassive vous permet de gagner de l'argent pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous êtes en train de dormir. Et également des publicités. Nous avons également, nous sommes actuellement plus d'un million de personnes à avoir saisi cette opportunité OnPassive. Imaginez la communauté OnPassive, parce que nous aurons également un réseau social. Imaginez, actuellement, le réseau social par excellence, c'est Facebook. Facebook a commencé avec moins de 1000 personnes. Vous le savez autant que moi. Imaginez un réseau social qui va lancer avec plus d'un million de personnes réparties dans plus de 220 pays dans le monde. Imaginez l'impact. Maintenant, imaginez les sociétés qui vont nous solliciter pour la publicité. Imaginez comment ça va aller après un mois, après six mois, après un an, combien nous serons dans notre communauté. Et ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs façons de gagner avec OnPassive. Si vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, Amazon, qui est une plateforme qui a un produit digital, une plateforme de vente en ligne, a créé l'homme le plus riche du monde, qui était le patron d'Amazon. Si vous imaginez également qu'actuellement, l'homme le plus riche du monde, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, et que c'est quelqu'un qui est versé dans l'intelligence artificielle. Si vous imaginez que ce soit Internet a créé et créera des millions de millionnaires dans le monde, millionnaires en dollars dans le monde, que effectivement la blockchain technologie avec la crypto-monnaie a créé des millionnaires et des milliardaires dans le monde. Si vous imaginez que l'intelligence artificielle a créé également des millionnaires et des milliardaires dans le monde, et également un homme qu'on ne présente plus, pour moi c'est le plus grand économiste du monde, il s'appelle Paul Zinpilzer. Il a été conseiller économique du président Bill Clinton pendant ses deux mandats. Il a dit, le premier être humain à avoir une fortune évaluée au trillion de dollars va venir de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. C'est quelqu'un qui avait prédit la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, enfin dans le monde en 2008,
et même les mécanismes pour l'éviter, personne n'a suivi. C'est après qu'on a donc compris. Donc, c'est quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, il faut prendre très au sérieux. Et lorsqu'on prend la fortune de l'homme le plus du monde actuellement, je crois c'est moins de 250 milliards de dollars, alors qu'il dit le premier être humain à avoir une fortune évaluée à plus de 1000 milliards de dollars va venir de l'intelligence artificielle. Maintenant, imaginez-vous, mesdames et messieurs, être membre fondateur d'une société qui a utilisé l'intelligence artificielle pour développer plus de 50 produits digitaux et a mis tous ces produits à la disposition du public. Non seulement en termes de fiabilité, en termes de flexibilité, en termes de simplicité, en termes de rapidité, en termes de crédibilité, en termes de sécurité et en termes de coût, il sera de loin le meilleur. Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité d'être membre fondateur. Ça nous permet de réfléchir. Alors, comment faire pour devenir membre fondateur d'un passif? Vous retenez tout simplement vers la personne qui vous a invité. Cette personne va vous donner un lien et à partir de ce lien, en quelques clics, vous allez remplir votre nom, votre prénom, adresse email. Vous allez recevoir un mail dans votre boîte. Vous cliquez, vous validez et vous payez donc. Vous allez payer combien? Alors, vous serez surpris. Depuis que je parle, certaines personnes se pensent au million, comme c'était le cas avec moi lorsqu'on m'a parlé. Non, vous allez payer la modique somme de 97 dollars si vous payez par Cash App, pour ceux qui sont aux États-Unis ou en Angleterre. Aux États-Unis ou en Angleterre, vous payez par Cash App ou alors par crypto-monnaie, 97 dollars. Ou alors vous paierez 102 dollars parce qu'il y a 5 dollars supplémentaires si vous payez par carte bleue ou bien par carte de crédit. Voilà ce que vous payez, mesdames et messieurs, pour devenir membre fondateur de cet opus mondial. Je lève l'équivoque ici. L'erreur que beaucoup de personnes commettront, l'erreur que beaucoup de personnes ont commise, l'erreur que beaucoup de personnes continuent de commettre et que d'autres commettront, c'est de penser que l'opportunité en passif, c'est une opportunité de 102 dollars. Si vous voyez dans ce sens, alors vous avez commis une erreur très, très grave et il faut très vite corriger. On passive est l'œuvre de H. Mufare, qui est un homme qui a sur le cœur, qui a développé ses applications avec ses fonds propres, mais qui nous donne la possibilité. C'est un peu comme quelqu'un a fait son gâteau, c'est-à-dire on n'a pas su comment il a commencé ni comment il a fait ce gâteau. Il a concocté un gâteau exceptionnel. Il met sur la table et il nous invite à venir partager ce gâteau avec lui, moyennant un jeton de présence de 102 dollars. Et lorsque vous payez les 102 dollars, vous devenez membre fondateur, vous ne dépensez plus rien jusqu'à ce que la société lance officiellement. Et lorsque la société a lancé officiellement, nous allons encore sortir de l'argent une deuxième et une dernière fois de notre poche. Combien? Entre 200 et 300 dollars. Le montant exact n'est pas encore défini, mais c'est entre 200 et 300 dollars. Pour faire quoi? Pour activer nous-mêmes notre pack. Parce que nous devons être le produit de nos produits. Parce que ce serait une insulte. Ou alors ce serait un peu même contradictoire qu'avec le lancement de notre passif, nous nous retrouvons encore en train d'utiliser Zoom pour faire des vidéoconférences. Ça n'a pas de sens. Donc nous, en tant que membres fondateurs, nous allons payer entre 200 et 300 dollars pour activer nous-mêmes notre pack. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que autant nos clients vont payer tous les mois pour leur pack, de même que nous payons tous les mois pour avoir cette salle Zoom, mais nous, les membres fondateurs, nous payons une seule fois et nous gagnons une seule fois à vie et nous gagnons à vie et même à mort. Pourquoi à mort? Parce que même après nous être passés de vie à trépas, nos ayants droit vont continuer à gagner de l'argent que notre passif aura généré. Donc, nous comprenons donc que nous sommes face à une opportunité extraordinaire, mesdames et messieurs, avec 102 dollars. Et lorsqu'on a donc lancé officiellement, disais-je, nous activons ce pack. Et parmi donc les produits de ce pack, il y a donc un produit de traffic driving qui va donc se charger, comme je disais tantôt, des robots informatiques qui vont donc faire le travail pendant que nous dormons. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette présentation. Quelle est la différence entre quelqu'un qui saisit l'opportunité en passive, la garde pour lui tout seul, et quelqu'un qui saisit l'opportunité et décide d'en parler autour de lui? Je vais le faire. Et avant de continuer, avant de faire cette différence, je vais vous dire quelles sont les 5 raisons qui m'ont amené à me lancer dans cette opportunité. Première raison, c'est que dans cette opportunité, vous n'êtes pas obligé de recruter ni de vendre ni de parrainer qui que ce soit pour gagner suffisamment d'argent. Deuxième raison, si vous choisissez de façon volontaire d'en parler autour de vous, alors vous gagnerez plus d'argent que vous n'en auriez gagné si vous n'aviez parlé à personne. Troisième raison, chaque personne à qui vous donnez la possibilité de saisir cette opportunité, il y a un système qui garantit que lui également, ou alors que cette personne également, va gagner suffisamment d'argent pour être financièrement indépendant. Quatrième raison, vous ne serez pas obligé de sortir de l'argent de vos poches tous les mois pour faire ce qu'on appelle auto-ship ou bien maintenance ou bien
validation. Non, 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 vous payez une seule fois. C'est pour ça qu'on dit once out of pocket and the rest out of profit. Donc, vous sortez de l'argent une seule fois de votre poche. Le reste, c'est à partir des profits que vous allez financer les différents éléments. Maintenant, cinquième condition très, très importante, c'est que cette société a des produits légitimes, a des produits légaux, a des produits viables. Ce n'est pas comme d'autres sociétés qui vendent du vent. Je vous ai montré tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous pouvez tout à l'heure sur le site, nous allons voir, c'est une société qui est légalement installée aux États-Unis avec l'enregistrement au Federal Trade Commission. Et si vous devenez membre fondateur, vous voulez même les papiers d'enregistrement de la société, je suis capable de vous les donner, de vous les présenter parce que en passif, c'est la transparence totale. Il y a donc le siège social à Orlando dans l'État de Floride aux États-Unis et la branche technique qui est dans cet immeuble qui est derrière moi, R+1 à Hyderabad, où travaillent 24 sur 24, 7 sur 7, plus de 1000 personnes pour faire en sorte que nos rêves deviennent effectivement réalité. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ici dans du concret, nous ne sommes pas ici dans des suppositions, nous ne sommes pas ici dans la vente du vent, on passif, c'est réel. Et ceux qui ont déjà saisi l'opportunité savent de quoi je parle, parce que hier, nous avons eu l'honneur, le privilège de suivre pendant près de 2 heures d'horloge notre PDG, nous donner des orientations, nous donner comment la structure évolue. Et chaque membre fondateur qui m'écoute sur ce podium, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui bouillonne au fond de lui parce que nous sommes en train de nous acheminer vers l'accouchement d'un mammouth, pour reprendre le terme de Didier Vital. Et le conseil que je peux vous donner, mesdames et messieurs, c'est de saisir cette opportunité, de saisir la balle au bond, parce que cette opportunité est un peu comme l'arche de Noé. Pour ceux qui lisent la Bible ou alors qui ont l'occasion de lire la Bible, Dieu avait donné à Noé des instructions pour construire une arche en prévision du déluge qui devait s'abattre sur la terre. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas pris au sérieux la prédication de Noé. Il y a des gens qui ont estimé que Noé était devenu fou. Il y a des gens qui ont estimé que c'était trop beau pour être vrai. Il y a des gens qui ont estimé que, mais non, il n'a jamais plu sur terre. Comment est-ce que la pluie, c'est quoi? On ne savait pas ce qu'on appelle la pluie. De même qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas comprendre la portée de ce qu'on passe, il est en train de faire. Mais mesdames et messieurs, le conseil que je peux vous donner, c'est prenez place dans l'arche de Noé parce que nous sommes en train, l'arche est sur le point de se fermer et comme l'arche elle-même dans la Bible, lorsqu'elle s'est fermée, personne n'a plus pu rentrer, tout le monde qui n'était pas dans l'arche a péri. Il en est de même pour l'opportunité en passive. Lorsqu'on aura fermé la possibilité d'être membre fondateur, elle ne s'ouvrira plus jamais, vous viendrez plutôt comme client. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il vaut mieux être membre fondateur d'un passif plutôt que d'être un client d'un passif. Alors, avec votre permission, je m'en vais. Je vais partager mon écran et vous montrer l'écosystème, comme promis, l'écosystème d'un passif. Alors, l'écosystème d'un passif, on va à www.gofounders.unpassif.com. Excusez-moi, je déplace quelques éléments là pour être sûr de bien voir. Ok. Voilà, le site internet de OnPassive, c'est www.onpassive.com. Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Merci. OnPassive.com, est-ce que j'y suis? OnPassive. Alors, qu'est-ce qui se passe là? OnPassive. C'est bien là, onpassive.com, Joseph. Pardon? Tu l'as dépassé, c'est un peu en haut, encore en haut. Ah, OK. Voilà. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le site internet de onpassive.com. Alors, rien que de prime abord, lorsque vous arrivez sur ce site, voir la façon de le site, le design du site, pour les spécialistes, on vous dira, avant même qu'onpassive ait lancé, le site d'onpassive, d'après les experts, est déjà parmi les meilleurs sites sur internet. Faites vos propres recherches. Et on va aller un peu plus bas, on va aller très en bas pour voir, voilà, je déplace quelque chose que vous ne voyez pas, mais que je vois tout seul. Voilà. Voilà donc les différents produits d'OnPassive. Qu'est-ce qu'OnPassive propose concrètement, mesdames et messieurs? Voilà Academy, c'est une plateforme pour le e-learning. Et nous savons que rien que l'apprentissage en ligne, c'est un marché potentiel de plus de 200 milliards de dollars. Obless, que voici, c'est la signature d'OnPassive, une plateforme pour le crowdfunding et les œuvres caritatives.
Imaginez que vous ayez dans votre localité où vous vivez une cause qui nécessite, qui a besoin, n'est-ce pas, d'un coup de main, un peu comme une catastrophe qui arrive dans un pays. À partir de Oblesse, on peut faire une fundraising, une levée de fonds pour pouvoir assister les gens. On a Oshop, qui est une plateforme un peu comme Amazon.com. On a Ostaff, logiciel de gestion des ressources humaines. On a Omail, pour un peu comme Gmail et Yahoo Mail. On a Oconnect, cette plateforme de vidéoconférence dont je vous ai parlé, j'y suis arrivé. On a Ocounting pour la comptabilité. Otrim, qui est ce raccourcisseur d'URL avec possibilité d'assurer le suivi. Un petit mot sur Otrim. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, un outil qui vous permet, lorsque vous faites votre campagne de publicité, de savoir en temps réel, on vous donne un état précis, on vous dit tel jour, à telle heure, dans tel pays, quelqu'un utilisant un ordinateur ou un appareil, donc voici l'adresse IP, donc voici, voici également son email address, à cliquer sur votre site. Imaginez, c'est un outil marketing exceptionnel, je le dis pour l'avoir utilisé, je le dis pour avoir testé, je l'utilise même jusqu'aujourd'hui. On a OPOST, on a OWallet pour les paiements numériques, on a ONET, on a OTracker pour lutter contre la cybercriminalité, OCapture, OCreate, OChat, un peu comme les réseaux sociaux, Facebook et autres, OPIER, OVirtual, Audit. Mesdames et messieurs, on a comme ça plus d'une cinquantaine de produits. Et ici, sur l'extrême droite, nous avons l'adresse de On Passive aux États-Unis d'Amérique. Allez même sur Google Maps, vous allez voir. Et voilà également l'adresse du siège à Hyderabad. Alors, j'anticipe sur la question que quelqu'un pourrait poser, de savoir pourquoi choisir l'Inde. Tout simplement parce que lorsqu'on parle de high-tech dans le monde, mesdames et messieurs, l'Inde a son mot à dire. Parce que si vous regardez les grandes entreprises de high-tech dans le monde, vous verrez que dans leur département technique, il y a des Indiens. Donc, les Indiens, alors H. Moufari avait le choix entre faire venir ces Indiens, cette main-d'œuvre indienne aux États-Unis avec tout ce que ça avait comporté comme logistique, comme problème d'immigration, ou alors aller sur place, trouver un espace de travail adéquat, les mettre dans les conditions les plus adéquates. Et il a opté pour cette deuxième solution. Et aujourd'hui, elle s'avère être une solution exceptionnelle et qui fait des fruits exceptionnels. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Avant de passer la parole à la modération, j'aimerais vous dire une chose. Si vous êtes né d'une famille pauvre, ce n'est pas votre faute. On ne choisit pas où on est. Mais si après avoir été en contact avec une présentation comme celle-ci, vous mourrez pauvre en laissant votre famille dans la pauvreté, alors vous aurez des comptes à rendre. Merci de votre aimable attention. Je repasse la parole à la modération pour la suite. Over to you, Awa. Wow! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on peut rajouter après une aussi époustouflante présentation? SGL a cette spécificité-là. Quand il présente, il donne tout. Il y met du tout. Et je pense que vous en avez reçu plein la figure, entre guillemets. N'est-ce pas? Parce que Joseph voudrait que personne ne parte comme ça, sans se mettre à se retourner dans son lit. Si vous ne vous inscrivez pas ce soir, vous n'allez pas dormir, en tout cas. Et c'est ça l'objet de la manœuvre. Un maximum d'Africains doit devenir fondateur. Merci beaucoup, Joseph. Merci pour ce cœur sur la main. Merci. Alors, chers invités, chers fondateurs, chers futurs fondateurs, parce que pour moi, tout invité est un futur fondateur, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être sourd à un tel appel. On ne peut pas être sourd à un tel cri du cœur. Et nous autres Africains, nous devons aussi faire partie vraiment de cette arche du 21e siècle. Il ne faut pas que nous la rations. Alors, vous êtes à l'honneur, chers invités. Je vois déjà une main déjà levée. N'est-ce pas, Joseph? On va aux questions-réponses, n'est-ce pas? Absolument. Alors, je vois Kumba Kamara. Ça me dit quelque chose.